Parce que regardez, quand je vous ai expliqué un jurant qu'il avait une mathématique dans la vie, que les mathématiciens ne se sont pas aperçus. Qu'il avait une addition, qu'il avait une soustraction, qu'il avait une multiplication, qu'il avait une division, et ils n'ont pas vu ça, ils n'ont pas constaté. Et moi, je l'ai vu. Regardez, par exemple, toute la vie, comment ça se déroule. Prenez l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait, l'enfant? Ce qui est le plus développé chez lui. Il fait des soustractions, des multiplications, des divisions. Non, il additionne. Il ramasse tout. Que ça soit bon, que ça soit sale, que ça soit dégueu, il ramasse tout. Et qu'est-ce qu'il sait de ramasser? Ben, c'est l'addition. Il ne connaît que l'addition. Et après, il grandit, et les parents et les voisins, tous lui disent qu'il avait des gros mots, il avait des habitudes. Il commence à soustraire, se débarrasser de ceci, enlever cela, brûler cela, la soustraction. Et après, il se marie, il est déjà un peu plus âgé. Oh, il veut multiplier maintenant les enfants, les magasins, les succursales, oh là 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 là. Et c'est la multiplication. Et c'est vrai. Et après, quand il devient vieux, la division. Il divise tout ce qu'il possède à sa fille, à son fils, à sa belle-sœur. Et alors, il ne reste rien pour lui. Tout est divisé. Alors, mes chers frères et sœurs, qui est celui maintenant qui additionne le cœur? Il ne demande qu'à additionner, à ramasser, à se coller, à se fusionner. Il est très fraternel, vous savez, le cœur. Et même, il ne voit pas la laideur, il ne voit pas quelquefois la sorte. Non. Comme ils disent les Russes pendant à Pâques, dans les églises, «Поцелуем», ça ils disent, «embrassons-nous». Et ils s'embrassent sur la bouche, tous. Connu, inconnu, et c'est la mode, c'est la coutume. Oui, en Russie. Поцелуем ça, ils disent. Поцелуем ça veut dire embrassons-nous. Traduction véridique. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur qui fait ça. Le cœur. Et après, l'intellect, l'intellect, il soustrait, il enlève, il coupe un morceau, il divise même. Oh là là, l'intellect, il est terrible. Et après, l'âme, il vient l'âme, c'est l'âme qui multiplie. L'âme qui tout multiplie. Et bien sûr, ce qui est bon, ce qui est utile, ce qui est magnifique, c'est l'âme qui multiplie. Et après, l'esprit divise. C'est-à-dire divise, distribue, ça veut dire, pas de diviser les gens, mais divise sa richesse, ses biens, pour les distribuer. Pourquoi? Parce que l'esprit est le plus désintéressé, le plus divin, il ne veut rien garder pour lui, alors il se débarrasse pour être complètement libre. Alors voilà comment le cœur additionne, comment l'intellect soustrait, comment l'âme multiplie et comment l'esprit divise. Et c'est tellement vrai, voyez?